quatre doigts. Ah, j'en avais un, c'était le majeur. Et c'est la mauvaise réponse. Et oui. Tout est sous contrôle. Il a dit youpa. Attends, il a tombé un truc. Regarde, regarde, prends la sacoche. Prends la sacoche, vas-y. Stéthoscope aussi. Oh. Anas, prise de service, bonsoir. Bonsoir Anas. Andrew est là ce soir? Andrew est là, mais... Non, je suis pas là. Anas, pour faire simple, nous sommes actuellement en plein rush. Donc nous avons 16 patients blessés par balle qui vont être transportés à l'hôpital actuellement. Super, bah je suis à l'hôpital. Très bien, je vous donnerai les instructions dès qu'on pourra. Donc attendez à l'hôpital, occupez-vous des patients à l'accueil. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, patron. Waouh, wow, il y a eu des fusils de ouf et tout. Ouais, t'as bien ça? Ah, salam, moi, ça va quoi, Roya? Tu vas bien? Ouais, ça va, hé, Roya? Viens, viens à l'hôpital, tu vas prendre ton badge. Bah oui, bien sûr. Ok, ça marche, j'arrive. Vas-y, bouge pas. Vas-y, bien. Monsieur? Oui, bonjour, docteur Anas, pour vous servir. Je cherche mon. Anas? Oui, je suis médecin. Oui, non, tu es fou. Attends, donc là, tu t'es repenti? Oui, nous faisons un stage actuellement. On fait un stage! Non, mais c'est incroyable! Ben oui! Donc, maintenant, t'es médecin! Maintenant, je suis médecin, Roya! Alors là, ça flingue! Ben oui, Roya! Il faut que tu contactes le directeur, comme ça, il te passe le badge aussi! Vas-y! Allez, viens! Vas-y! Par contre, Roya, excuse-nous, Roya, mais on est en plein rush, Roya! Apparemment, il y a 16 personnes blessées par balle, Roya, qu'ils arrivent! Ah, bah, je vais vous aider! Moi, je me connais tout ce qui est médecin, voilà, tout ce qui est. Hamid! Tu peux demander au directeur à la radio s'il peut s'entretenir avec Tobias pour. Oui, bien évidemment. Pour intégrer évidemment l'équipe. Bonsoir. De Hamid, un patron, est-ce que c'est possible de prendre Tobias en entretien? Bonsoir, les stages des j'écoute. On va fonctionner si c'est possible en stage. Bonsoir, je vous appelle parce que j'ai eu un accident de moto. Savoir si c'est possible de venir m'aider, s'il vous plaît. Bien sûr. Où est-ce que vous êtes, monsieur? Envoyez une position. Ok, je vous envoie tout de suite. Super. A tout de suite. Je viendrai jamais, Roya. Bon courage. Venez, intervention, les gars. Accident de moto, venez. On va découper des uns, c'est parti. On est sur une grosse intervention, les gars, d'accident de moto, d'accord? Le mec, il m'a appelé, il m'a dit « Oh, Roya, j'ai mal à la tête, viens voir et tout. » Je dis « T'inquiète, j'arrive. » Mais vu qu'il m'a appelé et tout, je pense que c'est pas si grave que ça, en vrai. Est-il mouru ou pas? Dernière nouvelle, non, il était toujours conscient. S'il n'est pas mort, ça veut dire qu'il est peut-être vivant. Le pouls était très stable. Je pense qu'il est vivant. Il y a une possibilité, on va dire. Peut-être que techniquement, s'il n'est pas mort, il y a un peu de chance qu'il soit en vie. Bah, normalement, ouais. Donc, du coup, Tobias, les premiers soins d'usage qu'on doit faire à un accident de la route, c'est quoi? C'est d'appeler les ambulances, voilà. Non, mais une fois qu'on arrive, nous, sur place, qu'est-ce qu'on doit lui faire? On doit immobiliser la personne. D'accord. De dire, ouais, elle hamarde, bouge pas avant que je t'éclate une patate. Ensuite. Donc une fois qu'elle est immobile, on doit lui demander qu'est-ce qui s'est passé et le garder conscient. Le garder conscient, d'accord. Mais comment est-ce que veux le garder conscient, Roya? Bah on lui raconte une histoire en demandant de lui raconter ça. Ah, il est là. Ils sont juste là. C'est bon, je les ai vus. Bonsoir, messieurs. Vous m'avez appelé, je suis là. Ne bougez pas, tout va bien se passer. Arrêtez de gigoter comme des saumons. Merde. Bon, ça va, monsieur? C'est qui m'a appelé? C'est moi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, en deux mots? Vraiment, en deux mots. Moto, vol. Ça y est. Moto, vol. Pas de casque, ouais. J'imagine. Trou du cul. Non. Trou du cul, ok, donc ça fait trois mots, du coup. Ça fait quatre. J'ai un stage d'observation. Ouais. Alors, du coup, monsieur, ouais, vous allez nous suivre directement, en vrai, à l'hôpital, on va passer quelques rayons X, hein. Quelques chimios, etc. pour voir ce qui se passe dans votre tête, parce que là ça va pas du tout. On va aider dedans, quoi. Ouais. Ouais, allez, venez, suivez-vous, monsieur. On va procéder à tout ça là, à l'intérieur de l'ambulance. Voilà, monte à l'arrière. Voilà, Hamid, ouvre la porte, monsieur, s'il te plaît. Tobias, stagiaire, Tobias, est-ce que vous pouvez porter un patient, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, monsieur, venez. Je vous porte avec les côtes cassées, pas de soucis. Lève. Pas de soucis, monsieur NS, je le lève. Appelez-moi chirurgien, s'il vous plaît. Oui, chirurgien, médecin. Oui. Alors, les noms des victimes, comment vous appelez-vous? Jack. Et l'autre? Jack et Jack? Jack and Jack? Non, Kader. Ah, Jack and Kader? Jack et Boudet. Attends, c'est pas Jack and Dexter de base le jeu? Ça a changé maintenant, c'est Jack and Kader, ok, bah super. Jack and Kader, ouais. C'est la nouvelle match. C'est la nouvelle match, les gars. Super. Et vous connaissez depuis longtemps, les gars? Oui, on sort ensemble. Ah? Attends, je rigole. Non, mais genre des sorties. Non, mais des sorties en moto, quoi. Sorties en pilule.
Ah ouais, c'est stylé de fou ça. Super. Et enfin, vous êtes tombés l'un sur l'autre du coup là aujourd'hui. Si je puis dire. D'accord, d'accord. J'ai une question. Est-ce que vous êtes rentré dedans ou bien vous êtes tombé? Bah, à votre avis, pourquoi on boite? Et y a-t-il... Ah. Ah bah oui. Ah bah oui. Évidemment, cela va de soi. Est-ce que vous avez entendu ce bruit-là? Je pense qu'il y a une fracture du plexiglas, hein, Roya. Ça, c'est... Ça, je reconnais, Roya. Ça, je reconnais de loin, Roya. Au niveau de la cage des mers, ouais, il y a une... Au niveau de la... Ah ouais, au niveau de la cage des requins, Roya... Ouais, ouais. Plexiglas, il a sauté, Roya. Bah écoutez, et monsieur, et vous faites quoi dans la vie? Clinique. Hein? Clinique? Non, non, c'est pas possible, ça. Ma cool. C'est quoi ça? Cleaning Monson. Moi j'ai des... Ok, donc vous êtes au chômage, super. Alors, messieurs. Non, mais je fais des trucs à côté. D'accord, je vais en mettre un sur une civière. Ça fait beaucoup plus stylé, je trouve. Voilà, attendez, bougez pas. Voilà, allez-y, monsieur, montez. Et l'autre il va suivre, hein, c'est pas grave. Attends. Allez-y, montez dessus, allez-y. Hop, assez rapide. Allez-y, allez, hop. Allez, non, vas-y. Là, tu peux le faire. Voilà, va plus vite, Roya. Ah, voilà. Bien joué. Donc, toi, tu t'appelles comment, Roya? Toi, c'est Kader, ok. Kader. Et Kader, c'est toi qui travaille au Cleaning McCall? Non, moi, je travaille nulle part. Ah, d'accord, toi, t'es chômeur. Bonjour. Moi, je suis un. Ouais. Ouais, t'es un chômeur, ok. Non, je travaille dans la transaction, tout ça, quoi. Transaction, ok. Super. Vous misez pas si vous voulez, d'accord. Alors, Kader, déjà, on va procéder déjà à un premier contrôle d'auscultation classique, rapide, si je peux me permettre. Ah, allez, au revoir, monsieur. Désolé. Ah, c'est bon. Salut. Super, salut, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Super. Allez, merci beaucoup. Alors, on c'est effectue bien le premier test. Non, blessé par moto. Blessé par moto. Bon, bah ça va aller. Arrêtez de faire une grosse sortie, s'il vous plaît. Oui, Tobias, s'il y avait le directeur là, si tu veux, à l'accueil, essaye de lui parler. Oui. Voilà. Vous inquiétez pas, collègue, on s'occupe de tout ce qui est. Voilà. Procédez à un premier test, on appelle ça le test de la toupie. Dites-moi si vous avez envie de vomir. C'est un premier test. C'est le mec aux cheveux longs, Attention, je vais ranger la civière. Oh là, je la plie ou calme. Voilà, parfait. J'ai rendez-vous avec lui. Alors, Kader, s'il vous plaît, montez sur la table d'auscultation, s'il vous plaît. On se sent qu'il est blessé. Voilà. Mettez-vous à poil maintenant, s'il vous plaît. Enfin, enlevez vos habits, je veux dire. Donc là, en fait, on va s'assurer qu'il n'y a pas de traumatisme crânien. Ouais, vas-y, dans un premier temps. Voilà, enlevez vos gants, vos lunettes, tout ça. Au niveau des pieds, tout ça, oui. Voilà. C'est pas le 14 juillet non plus, Roya. Hop là. Merde. Roya, je t'ai dit d'enlever, je t'ai pas dit de changer. Tu vas taper ta meilleure danse, Roya, juste pour voir si au niveau de la coordination des mouvements ça va, est-ce qu'il y a un problème ou pas. Essaye de taper ta meilleure danse. Ouais, pas mal. Souplesse des appuis, souplesse. Plie un peu plus. Ouais, pas mal. Est-ce qu'il y a une douleur quelque part? Au genou. Au genou, on est d'accord, au genou. Excusez-moi, c'est le genou. Oui, bien sûr, dites-moi. Est-ce qu'on peut tester la réaction de la peur au niveau de la personne? On va attendre un petit peu. Un petit test. On va attendre un petit peu. Et maintenant, vous pouvez. Ok, lève. Oh, il a bien réagi. Ok, c'est bon, c'est bien. Parfait. Alors, Kader, franchement, pas grand-chose, hein. Je pense que vous avez juste une petite rupture au niveau du ligament décroisé, du cubitus radial du poignet, donc c'est pas grand chose en soi. Venez, approchez-vous, je vais vous mettre un peu de biafine, un peu de crème solaire, et normalement c'est réglé quoi, il y aura pas de soucis quoi. Sur la crème solaire? Oui, la crème solaire c'est primordial. Je pense qu'il vaudrait aussi lui rajouter un peu, une petite goutte de zitzitoun. Ça c'est le matin. C'est le matin ça, au moment de mettre, on va vous prescrire des suppositoires de 15 cm à peu près. Donc il faudra vous insérer avec de l'huile d'olive. Attendez, je vous fais la prescription parce que sinon vous avez... Choisis la mort, non, vraiment. J'ai vu son bouge, il fallait mettre la sauce d'aiguille sur les ongles, ce qui paraît pas difficile de l'appeler. Voilà. Donc du coup, monsieur, là, vous avez les suppositoires. Stagiaire, moi. Taille S, hein, vraiment taille S. Vraiment, c'est minime, donc 15 cm, 8 cm d'épaisseur à peu près. Donc tous les matins, vous en mettez 2 dans les fesses avec un petit peu d'huile d'olive. Et au bout de 3 jours, ça ira. Si vous avez le moindre souci... un tournis, du vernis, du garni, vous venez et puis on refait une consultation avec le plus grand des plaisirs. Est-ce que ça vous va? Okay. Oh, c'est bon. Et bah parfait. Collègue, s'il te plaît, avec ton bandana violet, s'il te plaît, vite. Collègue, pour une consultation classique, c'est combien? 65. Super. Oui, il s'en sort là déjà. Je te la fais à 50. Ouais. Non, vous inquiétez. Ah ouais, vas-y. Ouais, t'inquiète, je te la fais à 50. Vas-y. Tu vas t'en sortir. T'inquiète, ça va. Oui, ça vous va. Inquiétez pas, ton Habibi va s'en sortir, Roya, t'inquiète pas. Et toi d'ailleurs aussi, on doit consulter Roya pour toi, tu crois que tu vas t'échapper comme ça ou quoi? Non, mais c'est bon,
Comment ça? Non mais c'est bon. Il y a un médecin qui se... Ah oui, ok, ok, parfait, parfait. Bon bah parfait, patient Kader, pour vous rhabiller et partir. Pour l'instant tu restes avec nous. C'est pas ce que je te dis hier, Nas. Par rapport au stéthoscope et les... Par rapport au stéthoscope... Ah non mais ça c'est celui de mon fils, c'est pas un vrai. C'est un jouet. En fait c'est... À l'hôpital c'est pas... Enfin, le truc qu'on a autour du cou, le stéthoscope, c'est pas utilisé vraiment pour du coup, écouter les battements du cœur. Ouais. Et tout ça, mais plus utilisé pour un signe démarcatif en fait. Parce qu'en ce moment, on a les tensiomètres. Vous mettez un stéthoscope pour acquérir une sorte de statut social. Ah bon non, c'est très grave en fait ce que t'es en train de me dire, Andrew là. Tu vois, les capitaines de police et tout, ils ont des exécutions. Et vous avez des stéthoscopes. Et nous, on a voilà, stéthoscope. Mais mettez des seringues la prochaine fois directement. Plantez des seringues en fonction de votre grade, ça ira plus vite. Des seringues. Ouais. Bon, j'ai compris, je vais enlever le stéthoscope, t'inquiète pas. Voilà. C'est mieux sans banane. Ça fait un peu you know, man. Non, en fait, la banane, je la mets parce qu'en fait, on n'a pas le droit. Donc, du coup, moi, je vais toujours contre les règles. Même si elle est dégueulasse, je la mets quand même. Je viens de vous dire. Moi. Excusez-moi. C'est pareil pour la banane. Oh non, non. Il y a deux décès. Pétage, je suis en train de chercher. Monsieur, ça va, vous allez bien? Je me suis mangé une pétain de bastos dans le bide. Oh merde. Oui. Vous avez été opéré, quelqu'un vous a pris en charge? On m'a mis là comme un clébard. Il mérite cette grosse merde. Tout latino, je t'avise. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur, ça dégage, on veut pas de ça ici, hein. Attention. Alors, je te jure, latino, je vais... Vous amenez chez le... C'était au niveau des laboratoires, c'est ça? Vous êtes venu du laboratoire? On vient de me mettre ici, là. Hamid, prends-la en charge, vite. Quoi? Mais Hamid il comprend rien, je dis prends-la en charge, il dit je le prends, il comprend vraiment rien. Tu m'as dit qui? Mais hé okay. Wesh! Allez hop, vous venez avec moi madame, je m'occupe de vous. Non, voilà, tu vois ça parle. Généralement quand ça part c'est que c'est pas encore mort, pas encore. J'ai besoin de, faut qu'on la décale. Allez attends, je vais la soulever, je vais la porter. Ouais, faites attention quand vous me soulevez hein. Ah non, vous inquiétez pas, madame. Oh, c'est de l'histoire aussi. Voilà. Okay, je m'en occupe. Mais attends, regarde, faut qu'elle se fasse opérer, frère. Ah, Nico. Bah oui. Posez-la dans la salle d'attente, monsieur. La salle de repos. Ça a blessé pas mal. La salle d'attente. Ouais, la salle d'OP est déjà utilisée. Pas de problème. Bonsoir, les morts. Oh, l'usine, elle tourne bien aujourd'hui, hein. Ça fait plaisir, il y a du monde. Tu les as sortis. Il y a beaucoup de clients, ça fait grave plaisir hein. Vous avez une balle seulement dans le torse, en fait, c'est pas loin du cœur, mais c'est pas dans le cœur. Et tant que ça touche pas le cœur, vous êtes pas prioritaire, voilà. D'accord, ouais, c'est noté. En fait, pour être prioritaire. Faut l'avoir dans le cœur, en fait. Faut mourir. Une balle dans le cœur, et ensuite, là, vous serez prioritaire. Si j'en ai une dans les couilles, Non, j'en ai deux dans les couilles, regarde, j'en ai deux. Parce que vous en avez deux, vous en avez deux, donc une de perdue. Ah bah bien sûr. Ah oui. Je crois qu'on fait comment, regarde, on décharge l'arme tous les soirs, regarde. Clin d'œil. T'as pas eu une vie facile, toi, mon ami. Ah, regarde. Je suis désolé, j'ai pas compris l'insinuation. Décharger l'arme. Tu vois, une arme, si tu veux pas qu'elle s'enraye, il faut la sticker tous les soirs, il faut la nettoyer. Ah, bonjour, Kefta, comment allez-vous? Ah, salam, regarde. Docteur Kefta est demandé à l'hôpital. Nous sommes actuellement avec Tobias et Docteur Hamid. Bien évidemment, j'arrive incessamment sous peu, du coup, j'ai à tes suites. À tes suites. Oui, LSHD, j'écoute. Oui, on a une personne inconsciente au niveau de l'observatoire. S'il y a quelqu'un qui... On a fait des appels, mais il n'y a personne qui vient. Ah, ok. Bah écoutez, j'arrive incessamment sous peu. A tout de suite. Ok, très bien, tout de suite. On est là dans 1,59 km. C'est quoi le cas... Je pense que c'est un mec inconscient à l'observatoire. Qu'est-ce qu'il est parti observer, lui aussi, wesh? C'est là, je pense. Il y a un cadavre. Juste là. Alors, où ça, là? Dites-moi. Ici, là. Les sirènes. Ah oui, là, oui, bien sûr, oui. Oui, juste ici. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a glissé de là. Non, il est tombé. Ah ouais. Il a glissé. Là, de cet escalier là? Ouais. Oh là là, ça sent le gros traumatisme crânien ça. Ah ouais. Faites un petit peu d'espace s'il vous plaît, écartez-vous messieurs. Il est mort? N'inquiétez pas monsieur, tout se passe bien. Vous tombez vraiment sur le meilleur ambulancier de toute la ville. Du coup, il est... Alors... Ça va, monsieur? Essayez de respirer, restez avec nous. Monsieur, ouais, c'est super. Oui, bien sûr, Tobias, je vous écoute. Vous voulez qu'on fasse un test pour voir s'il est bien tombé là-haut, pour voir s'il tombe ici? Non, je pense que... Non, je pense que c'est bon. Ça me dérange pas. Vous voulez faire le test? Oui, allez-y, avec plaisir. Super. Pour vous dire s'il tombe bien ici. Comme ça, moi, on est sûr. Allez-y, ouais, c'est un stagiaire d'observation et pratique à la fois. D'accord. Ah oui, il est très très pratique. Il a sauté d'où ce fou? Ah, ok, super. Alors? On est d'accord, c'est bien. Ouais, c'est bien ça, ouais.
C'est bien un traumatisme, ouais. Ouais. Ça va, monsieur ? Tout se passe bien ? J'ai la tête qui tourne. Ah bah ça va, oui. Ah bah ça va. Ça va pas du tout, on est d'accord, hein. Aïe. Bougez pas, je vais chercher la cire. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Allez-y, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Un petit bandage, c'est reparti comme en 46. Oh, alors. J'ai un test, il tourne mal, explication. Attention, je bouge pas. Allez-y, petit saut, des brebis. Vas-y, lâche-toi, t'as si tu veux. C'est quoi votre nom, monsieur ? Patrick. Patrick comment ? Macriri. Macriri ! J'ai connu un Macriri hier ! Ouais. C'était moi hier. C'était vous ? D'accord, ok. Allez-y, monsieur, rentrez. Max. Parfait. La plus beau costume. Bon, on va faire quelques tests à l'hôpital, à Rennes Méchant, et puis je vous retournerai à la maison tranquillement avec vos amis. Les mêmes tests qu'avec mon frère hier. C'est quoi comme test hier ? Je sais plus, vous lui avez fait radio tout ça. Bah écoutez, ça dépend, on va vous faire quelques tests et puis en fonction de vos réponses, on va voir ce qu'on pourra faire. Excusez-moi, monsieur docteur MF. Oui, bien sûr. Je pense pour un traumatisme crânien au niveau du pied, il faudrait faire une petite chirurgie. Wow. J'hésite entre la petite chirurgie et l'amputation du petit orteil. Parce que c'est ce qui crée en fait le déséquilibre. Vous faites quelle taille de pied, quelle pointure ? 42. Bah oui, ça c'est la base, ouais. D'où le traumatisme crânien. Taille 42, généralement, c'est toujours le petit orteil qui crée le déséquilibre à chaque fois que vous allez tomber. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être l'amputer. On va essayer de trouver un pédologue, un spécialiste du pied, quoi. Et on verra comment ça se passe. Je vais crever. Mais non, pas par rapport à un petit orteil. Ah, vas-y, mon frère. Faites quoi dans la vie, Macriri ? Je suis brasseur. Très bien, la natation, quoi. Vous êtes un sportif. Alors non, je brasse des bières. Des quoi ? Des bières ? Des bières ? Ouais, je fais de la bière. Ah, vous faites de la bière ? Ok, super ! Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? Je peux me permettre, vous êtes en train de vous amuser, c'est ça ? Ça a mal tourné ? C'est passé quoi ? C'est ça. On était en train de discuter tout ça. Aïe. Je m'en prie. Ça vous amuse de sortir. Oui, Kefta ? Ouais, c'est bon, regarde, je suis là. D'accord. T'es à l'hôpital ? Ouais, je suis à l'hôpital. Bah, on arrive tout de suite avec un nouveau patient avec Marguerite. Regarde, tu vois une ambulance ? Regarde. Je prépare le bloc. Regarde l'ambulance, Gary. Regarde, c'est nous. Vas-y, ramène-le. Vous allez être pris en charge par le meilleur chirurgien dentiste de tout Los Santos. Ça va, collègue ? Allez-y, monsieur, venez. Kefta, la civière ! Kefta, vite, la civière ! Allez, monsieur, on va se mettre à l'intérieur conjointement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Super. Bonsoir. Madame. Voilà. Dire quoi, conjointement ? Madame, si on tu veux pas, je range l'ambulance. Attention derrière. S'il vous plaît, attention derrière. Attention. Assalam alaikum. Regarde. Il est passé des tests. Il a trouvé une chirurgie ? Allonge-toi, Amstro. Du coup, je vous explique ce qui s'est passé. Attendez deux secondes, je fais le mec sérieux. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors en fait, je suis en train de montrer la vue à l'observatoire à mes frères et sœurs. Et dans l'escalier, Cathy. À quel âge ? 27. Mais il serait peut-être interdit. Du coup, oui, donc après. Oui, je disais, du coup, j'ai fait un petit saut pour leur montrer que j'étais souple et je suis tombé des escaliers. D'accord. Comme une chips. D'accord. Tu es le grand chirurgien diplômé de l'école de SP sur tout ce qui est... Bonsoir collègue. Salut. Sur tout ce qui est chirurgie ambulatoire, ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Là on va devoir vous anesthésier, d'accord. Donc on va proposer une anesthésie générale parce que là on est obligé. C'est une entorse, frérot, ouais. Quelle anesthésie générale? Non, l'écoutez pas, Roya, tu t'es trompé d'épisode, Roya. Regarde, il s'est foulé la cheville, y a pas d'anesthésie générale, wesh. Le genou, pas la cheville. Mais non. Je le sais, il va me tuer. Monsieur, vous avez mal où? Attendez, monsieur, levez-vous et faites-nous votre meilleur pas de danse pour voir où est-ce que vous avez mal, s'il vous plaît. Le genou, la cheville. Vous êtes malade, je vais me niquer la cheville. Mais c'est justement pour voir où est-ce que vous avez mal. Ok. Regarde, il va se tuer, hein. Là, il va se tuer. Allez-y. Mais le meilleur pas de danse, mais soft. Non mais soft. Pas un truc trop... Soft, tranquille. Voilà. Alors... Vous avez mal où? Cheville droite. Ah, cheville, voilà, pas genou. Cheville, d'accord. Ah bah voilà. Là, on va faire quelque chose d'autre. On va, on va faire une radio de la cheville. Bonsoir, collègue. Bonsoir, chirurgien dentiste. Voilà, c'est bon. Maintenant, il y a le chirurgien Tobias qui est là. Tobias, auscute l'individu, s'il te plaît. Bonsoir, monsieur. Écartez les jambes, s'il vous plaît. C'est où les rues? Chef, je pense qu'une radio serait de marbre. Ouais, venez, on va déjà faire une radio. Venez, collègue. Monsieur, j'active le micro. Oui. Bon, vous entendez? Oui. Nous allons lancer la machine, d'accord? Ne bougez pas. Si vous entendez du bruit. Il y a une nouvelle mise à jour. La machine est extrêmement silencieuse. Vous inquiétez pas, d'accord? Très bien.
On lance la machine. La machine. Je répète, la machine est lancée. Ok, monsieur. Faites attention. Pas de mouvement. Riva, Riva. Game over. Alors, pour les résultats, il faut attendre un petit peu une quinzaine de secondes. Voilà. Vous entendez toujours, monsieur? Vous entendez toujours? Ouais. Super. Et tu sais qu'elle fait pas de bruit, votre machine? C'est magnifique. Non, il y a un technicien qui est pas... Non, le technicien, il est passé il y a pas longtemps. En plus, c'est marqué... En plus, c'est marqué dessus, Made in Congo. Enfin, c'est vraiment la qualité, quoi. C'est quelque chose de... Là, c'est la pointe de la technologie, là, on n'a pas mieux, là. On va couper juste le micro du mille pour qu'on puisse s'entendre avec les collègues. Oui. Les gars, on est d'accord que son pied, là, il existe, mais plus, hein. C'est de l'archiparmentier, Roya. Il manque un pied. Mais je la vois, Roya, d'ici, il la redouche, là, j'ai pas besoin de m'approcher, Roya. Regarde son gros pouce du doigt de pied. Oh là 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 là, c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est dégueulasse. C'est pas la même. Moi, ce que je propose, c'est 3 séances de kiné à l'unicorne auprès d'une spécialiste pour justement lui faire rétablir un petit peu le système sanguin et le système pédicure. Et puis, bien sûr, un petit chupot d'une quinzaine de centimètres. De longueur, évidemment. Et largeur pareil, 15 sur 15, c'est un carré. Voilà, c'est. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah... C'est grave, ouais, c'est... Ah bah... Bah il faudra bien, Roya, il faudra bien que ça rentre, Roya, qu'est-ce que je te dise. Il a qu'à pas faire le foufou, Roya, en train de sauter sur des... Il a cru que c'est un kangourou, Roya, ou quoi? Ouais, mais il faisait des tests. Il est roux, mais c'est pas... Ouais, mais bon, bah nous aussi on fait des tests, Roya, comme on peut, on s'amuse, hein. C'est un cubeur, le... Bah, Roya, je crois que ça sera la tête dans les nuages, Roya, vraiment, salle d'arcade, son cul, Roya. Bon, bah on va annoncer la bonne nouvelle, hein. Allez, c'est parti, allons-y. Oh oui, rebonsoir, monsieur, on va vous annoncer la bonne re-bonsoir. Nouvelle. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, hein. Il y a une bonne et une moins bonne. La mauvaise, donc la mauvaise. Alors, quelqu'un d'autre lui annonce la bonne. La mauvaise, donc il y aura un suppôt, un petit suppôt. Petit de 15 centimètres sur 15 centimètres. Oui, c'est pour la douleur. C'est pour la douleur et l'infection. Pour éviter l'infection. Attendez. Pour la douleur, trois fois le matin. Bah oui, bah Doliprane, tu le prends comment? J'ai trois fois le matin. Voilà, trois fois le matin seulement. Trois fois l'après-midi et quatre fois le soir. Voilà. C'est quoi, je suis la grotte de Lascaux, moi? Pourquoi votre cul est tatoué à l'intérieur? Monsieur, vous avez affaire à de vrais professionnels, donc s'il vous plaît, un peu de sérieux quand même. Quand même. Et la bonne nouvelle! Parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle! Trois séances offertes gratuitement par le LSHD à l'unicorne auprès d'une spécialiste pour essayer justement de revigorer un petit peu votre cheville, votre articulation, votre muscle caveux. Ah, ça vous va? C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et une autre nouvelle, il y a trop bien ce que veut le numéro de ta sœur. Ah oui, hein? Ça c'est oui, oui, c'est vrai. Oui. Bah, ouais. Mais c'est juste pour prendre de vos nouvelles à travers votre famille. Voilà, parce que généralement les patients vont essayer de nous mentir, donc on essaie de contacter la famille directement. C'est pour avoir des nouvelles à travers ma sœur, je comprends. Voilà. Oui, à travers ta sœur. Oui, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, à travers quoi, c'est accordé. Super. Tobias, c'est bon. Super. C'est vous, docteur chirurgien Tobias. Je pense que c'est par la plus grande école prestigieuse. Mais du coup, tout ça, les suppôts, tout ça, la douleur. Je pense que c'est bien beau l'unicorne, mais ma cheville. Ah oui, non, mais justement, votre cheville. Vous venez, levez-vous, votre cheville. On va vous mettre un petit bandage. Allez-y, venez, suivez-moi. Voilà, venez. C'est la cheville droite, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Pétain, Roya, comment tu pues des pieds, c'est un truc de ouf. Mais tranquille, c'est pas grave, c'est partie des risques du métier, si je peux me permettre. Donc oui, un petit hématome, c'est pas grand-chose, donc un petit bandage, les suppôts, comme vous a dit, et la petite rééducation. Et au bout de 3-4 jours au maximum, Roya, tu seras comme un cabri, Roya, dans la forêt. C'est quoi un cabri? Même moi, je sais pas. Ah, très bien. Je pense que c'est un animal avec des cornes, comme ça, c'est un animal. Une sorte de bouquetin, là. Non, c'est un cerf. Du coup, on va devoir vous donner une chaise roulante, par contre, hein, pour éviter de... Alors, déjà, messieurs, déjà, chose très importante, avant même tout ça, c'est la facture. Attends, c'est quoi? C'est la facture.
ça, ça fait plaisir. En plus de la facture, vous aurez une perceuse, voilà. Alors, pour la modique somme, pourquoi tu donnes une perceuse, Roya? Il va faire quoi avec ça? Je sais jamais s'il veut. Ça va reprendre. C'est trop lourd. Mais là, dans le coffre. Alors, messieurs, franchement. Normalement c'est un peu plus cher, je vous la fais à 65$, mais normalement c'est plus cher, mais parce que vous avez été coopératif, remise de peine, enfin remise de facture. Facture, oui. Ok. C'est quoi votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Je veux voir votre carte d'identité. Macriri. Macriri, Macriri. Ah oui, je crois que j'ai facturé hier, Dédé. J'ai toujours pas fait ma carte. Toujours pas... Oui, ouais, Derek. Comment ça se fait que vous avez pas de carte d'identité, wesh? J'ai toujours pas été la refaire. Il faut le faire, hein, monsieur. Sinon, j'appelle la police. J'appelle. J'appelle. Ah ouais. Bon, allez-y. Habillez-vous et puis c'est parti pour aller faire votre carte d'identité. Voilà. Et doucement. Doucement. Vers le nord, à Paletto B, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, dis-lui, on arrive. Chute en moto. Ah là là, on arrive. Premier service. Les gars, on peut récupérer de l'argent, les gars. Ah bah là, c'est sûr. Ah, il a pas pris le numéro. Attends, le numéro de sa sœur, le numéro de sa sœur. Ah oui, c'est vrai. Tobias, vite. Oui. Monsieur, ta sœur, c'est quoi son numéro, s'il vous plaît? Clairement, c'est un faux numéro. Ok, je suis désolé, on est pressé, j'appellerai ta sœur après. Ta sœur, j'appellerai ma sœur. Bon courage, monsieur. Faites attention à vous, hein. Oui, au revoir. Et à votre sœur aussi. Oui, bon, les gars, let's go to Paletto, hein. Là, on est parti pour 8 km, hein. J'espère que vous avez animé quand même les 8 km, il faut savoir les animer, attention hein. Ah voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, on a les 8 km, sauf qu'on n'avance pas en même temps. Ouais, c'était pas ça l'intervention de base. Tu peux le soigner, s'il te plaît, soigne-le. Attends, comment on fait? Attends, c'est bon, je le fais. Non, frère, la catastrophe. C'est bon. Allez-y, montez. Ne jamais se soigner dans la voiture. Ah oui, non, jamais, Roya, jamais. Jamais, pas. Ah oui, non, jamais, Roya. Des fois, t'atterris dans les égouts et tout, hein. Ouais, bah, j'ai vu ça, hein. Par contre, il a pas envoyé de message, l'autre, hein. Si, je l'ai pris. Ah, bah, c'est bon, parfait. Bah, tu crois que j'allais où, frère? Toi, j'allais voir ma tante ou quoi? Bah, non, je pensais que t'allais à Paletto pour pré-shot. Pré-shot Paletto. Mine de rien, ils ont du taf, les UMS. Les soldats. Ouais, c'est le rush. Mais là, les gars, entre nous, je pense qu'il y a une attaque, Roya, de labo, là, des gangs vs gangs, trucs comme ça. Mais ouais, il s'est passé quoi? J'entends des radios, c'était le. Ouais, c'était le zbel, hein. Bah, t'as vu, Roya, il y avait des verts, il y avait des bleus, il y avait des rouges, des jaunes, Roya, laisse tomber. Non. Hey, Tobias, on est en guerre contre les Vagos en fait. Attends, on est où? Ouais, guerre contre Vagos, hein, Roya, c'est fini, hein. Plus de cadeaux, hein. On dark plus avec eux, Roya. Ouais, ah ouais, Roya, t'es parti un jour, c'est pas... Ah ouais, c'est... Tobias, tu sais c'est parti de quoi? Une insulte. Parce que t'es de leur quartier, on a dit, Oui, dis-moi, j'ai une insulte. On est parti en mode on vous emmerde les jaunes. Ça a terminé par un coup de couteau. Mais non, t'inquiète. Et maintenant on est en guerre. Donc à partir de on vous emmerde les jaunes. À partir de là, à partir de là les Vagos. Qui a dit ça? Tout le monde, hein. Nous trois. Moi, c'est moi au début, mais je me suis dit tranquille, tu vois. Ouais, chill en mode je vous emmerde. En mode normal quoi. Eh, vous aussi vous avez coupé le radio? Ouais, frère, c'est bon. On est d'accord. Même le téléphone, regarde, si je pouvais le jeter, regarde, je l'aurais jeté depuis longtemps. Mais comment tu prends les appels? Ouais, c'est le problème. Regarde, tu étonnes, c'est super rire, ils prennent les appels, je les prends pas, non, depuis tout à l'heure. Attends, je vois la moto. Les gars, enquête, on passe en enquête. Enquête activée, Dalai, enquête activée. Oh putain, la porte. Vous pouvez rappeler, on a pas les taux en ce moment. Ok, regarde, attends, tiens, viens, scène des crimes, regarde. Oui. Ok, la moto est là. Est-ce qu'il y a une fuite d'huile? Ok, alors attends. La moto est de ce sens-là, ça veut dire que le corps devrait normalement être au niveau des buissons ou des rondins d'arbres. Mais non, si la moto elle est là, il n'y a pas de trace de freine. Ah bah il est là! Eh, c'est bon, je l'ai trouvé. Barrez la route! Faites la circulation! Je barre la route! Barrez la route, monsieur, vous inquiétez pas, vous êtes tombé sur le meilleur! Je barre la route! Le meilleur! Vous inquiétez pas, monsieur, ça va, vous m'entendez? Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Monsieur, vous m'entendez? Faites si vous m'entendez. Ah voilà! J'étais à deux doigts de t'insulter, Roya. Tu t'appelles comment? Super! Et ton nom de famille? J'adore! Et t'as quel âge? J'ai 32 ans. Incroyable! Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille au... Jure! Mais c'est incroyable! Qu'est-ce qu'il fait? Aïe! Attention! Non, pas moi! Non, il faut aider le monsieur! On le met où? Dans l'ambulance à l'arrière. Vas-y. Hop là, messieurs, vous êtes inconscient, vous subsistez? Bah, vous voyez combien de doigts là?
On vous entend pas, monsieur? Monsieur, ça va? Ouais, on vous entend pas. Ah, il y a quatre doigts. Ah, j'en avais un, c'était le majeur. Et c'est la mauvaise réponse! Oh oh. Et oui. Tout est sous contrôle. Il a dit youpa. Il était... Attends, il a tombé un truc. T'as bien, ça va? Non, mais on essaie... Oui, monsieur, on essaie un petit peu de vous faire oublier la douleur comme on peut, hein. Je veux dire, à un moment donné, on est obligé de se sacrifier, quoi. C'est un peu notre métier. Ouais, c'est pour ça, en fait, monsieur. C'est un peu notre métier, c'est un peu notre métier. C'est des tests, voilà, c'est pour... C'est les règles du métier, hein. C'est comme ça. Ah oui, c'est les érections du métier, hein. Ça, c'est normal, ça. C'est quoi votre nom, monsieur? Jason. Vous aimez bien Jason Statham ou pas? Est-ce que vous êtes fan? Je l'aime bien, oui. Ah, là on va s'entendre. Donnez-moi un nom de film qu'il a fait. Le Transporteur. Oh, bonne réponse. Il était dedans. Attends, il était dedans. Ouais, il a pas vu. Mais dans les derniers. Ah, dans les derniers, ouais, d'accord. Quand il y avait plus de place, quand il y avait trop de place, il n'y avait plus personne. Jason Statham. Il était pas dans Expandle? Si, si. Allez Jason, on y croit. Allez gamin. Là où je te goume. Allez. Allez, sur la civière, on sort la civière. Attends, je sors la civière. La technique de la double civière. Ah ouais. Allez, choisis laquelle. Monte. Wow, bien joué. Super. Allez, venez. Vous allez inaugurer ce putain d'hôpital de merde. Vous allez inaugurer. Ah merde, c'est pas par là. Mais ça fait un ouf ici. T'es prêt? 3, 2, 1, et il inaugure l'hôpital. Allez-y, c'est la section, veto ici, c'est parfait, section veto. C'est bon, ouais, veto ici. Voilà, posez-le sur la salle d'opération de la mort ici là, parfait, c'est un peu froid mais ça conviendra. Prends les outils. Allez-y, vous êtes prêts, salle d'opération? Hop là, allez-y, allongez-vous. Voilà. Alors, Jason, quel est votre nom de famille, s'il vous plaît? Incroyable! Super! Est-ce que vous pouvez vous habiller, s'il vous plaît, monsieur? Voilà. Mangez un petit ananas, ça va vous faire du bien déjà. Voilà. Mangez un peu, avec votre pied. Allez-y. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez danser pour voir où est-ce que vous avez mal, s'il vous plaît, monsieur? Comme c'est ça, la macarena. Ça pourra nous aiguiller. Vous avez mal où? Sur le ventre et sur les deux jambes. Sur le ventre, c'est vrai que vous êtes un peu tendu. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre accident en trois mots, s'il vous plaît, pour qu'on puisse comprendre? En fait, j'ai voulu... Non, en trois mots. Appeler, foncer dedans... Foncer dedans, il y a déjà deux mots. Il y a trois mots déjà, donc... Foncer, coma. Véhicule... On sait que vous êtes... Voiture, inconscient... À terre. Mais non, il y avait une moto, frérot! Moi debout, pas sur moto. Bon. Je reste calme. Je prends sur moi. Rien, on dirait on lui a posé un problème. Regarde, moi j'aurais dit par exemple, j'aurais dit moto, voiture, coma, par exemple. C'est ça? Oui, bah environ. Environ. Ok, environ. Super. D'accord. Mais donc, je pense qu'il est encore un peu troublé. Je pense qu'il y a un gros traumatisme crânien. Je pense que c'est pour ça. Aïe, à mon avis. C'est chaud. Monsieur, vous voyez combien de doigts là? Là, j'en vois un. Ah, ça va. Ah, bien. Ça va, c'est la bonne réponse. Bien. Je pense que les gars, on va lui faire Vous voyez combien de bras là? Deux bras. Ah. Aïe, il y a un problème. Pétain. Bon, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît, monsieur Jason, s'il vous plaît, levez-vous. Il y a un sacré problème, il faut tout retaper là, je pense. Venez, moi aussi, regardez, j'ai un peu mal aux jambes. Retournez-vous pour voir un petit peu la flexion de vos genoux. Ouais, c'est ça. Anesthésie générale, je suis chiropracteur, vous inquiétez pas. Bon, les gars, soulevez-le, table d'opération, c'est parti, soulevez-le. Lève. C'est pas là. Si, c'est là. Si, c'est totalement là. C'est totalement là. Ouais, ça. Mets-le au sol. C'est là. Sur la table. Mets-le au sol. Allongez-vous. Salle d'opération. Je jette tout ce qu'il y a sur. Voilà, parfait. Du coup, scalpel. Bouge pas, Roya. Faut l'anesthésier. Mais il est déjà anesthésié. Alors, du coup, je vais retirer déjà tout ce qui sert de nombril. Parce que le nombril, ça sert à que dalle, frérot. Ça sert à rien du tout.
Donc ça c'est fait, j'en regarde, boum, je décapsule le nombril, Roya, au calme. Tenez, je vous passe nos emotis, monsieur chirurgien NS. Balance pas les blases, ça peut se retourner contre nous. Donne-moi une banane, vite, la banane. Kafta, la pomme, il fait l'hémorragie, Roya. Donne-moi la pomme, fous-la dans la bouche, Voilà, là c'est bon, parfait. Voilà, parfait. Tobias, donne-moi la tasse, va récupérer la tasse. C'est la tasse. Là, derrière, sur la machine à café. Récupère le sérum, vite, on est en train de lâcher, il va mourir. Parfait, c'est bon. Passe-moi une feuille à 4, regarde. Mets-le derrière la tête pour relever la tête, feuille à 4. Parfait, nickel, c'est bon. Le patient est stabilisé. Tout contrôle, même, je dirais, Roya. Oh la vache, regardez le journal, il y a marqué carnage dessus, on est passé à 2-2 du carnage, hein. Oh la vache. Ah ouais. Il dort. Il va se réveiller d'ici 35-36 secondes. Peut-être il a de l'argent. J'avoue, fils de... Discret. Monsieur, d'ici une quinzaine de secondes, vous allez vous réveiller, hein. Vous comptez 10 secondes maximum. Oui. Ouais, 20. Faudra juste lui mettre une petite claque histoire de bien réveiller. Vas-y, à 3, tu mets la grosse claque, d'accord. 1, 2, 3. 3. Voilà. Voilà. Félicitations, voilà, monsieur. Nous sommes actuellement occupés, docteur Hamid. Nous sommes à Paléto, à l'hôpital de Paléto. Non, c'est bon, j'ai mis la pomme au niveau du nombril, c'est bouché. Ah oui. J'ai mis en fait le trognon, vous inquiétez pas, j'ai mis le trognon à la place du nombril. C'est une technique ancestrale hindoue et ça fonctionne très très bien. Vous pouvez vous rhabiller, Jason. Gazon, j'ai cherché, ils sont dans la salle d'à côté. Ah ok, bougez pas. Je fais un check-up général, je regarde les plaies un petit peu. Oh là, ça commence déjà à cicatriser, c'est incroyable. Vous êtes à X-Man ? Vous êtes à X-Man ? Non. Oui, bah oui, évidemment. Bah évidemment. Ah, je pense que... Parfait. Je pense que... Oh merde. Pardon. Parce que je me connais. Attends que je t'arrive. Attends, Tobias. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Non, tiens, incroyable. J'ai juste grosse derrière. Monsieur, vous inquiétez pas. Eh, dors toi aussi ta race, frérot. C'est bon. Je suis un magicien, je contrôle les forces de la nature. Ah, c'est ça le problème des Marocains. Tu leur donnes un peu de pouvoir de magie, regarde ce qu'ils font. Ah, putain. Je me relèverai un jour, tu penses? Oui, j'espère. C'est quoi tu veux? Allez, on se réveille. Attends, parce que moi je me suis endormi avant toi, Roya, je suis toujours par terre. Moi aussi j'arrive. Ok, à toi tu me lèves. Ouais, je suis mort. C'est bon, bientôt. Ah, c'est bon, bien joué. C'était pas Jason comme il dort, Roya, une table Ikea. Il a juste pas un accident de moto. Il va regretter toute sa vie. Il va devenir le meilleur pilote de moto de tout Los Santos. Rien pour pas de... Ça va, Jason? C'est l'anesthésie, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Okay. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Vous pouvez récupérer, venir, vous récupérez vos habits. Oui. Je suis en train de monter. Oui. Pourquoi je me suis endormi? C'est l'anesthésie, c'est le choc. C'est normal, c'est le test post-traumatique. D'accord, ok. Vas-y, monsieur. Est-ce que vous avez une carte d'identité, s'il vous plaît, à me présenter pour après? Ouais, bien sûr. Attendez. Super. Écoutez, vu que vous avez inauguré l'hôpital, ça sera gratuit pour vous, Jason. Ça va aller. Merci, Billy, c'est vraiment gentil. Bah, merci à vous, Jason. Vous voulez qu'on vous raccompagne au niveau de votre moto, peut-être? Voilà. Eh bah, c'est super, venez. Ouais, je veux bien sûr. Bon, ça prend, on ira récupérer, on va déposer ce véhicule ici à l'hôpital, on va en prendre un autre. Parce qu'il est un peu lent. Il y en a d'autres. Oh, ce bâtard, il va nous jeter de la mort. Il y a quoi comme véhicule, sinon? Regarde, ça pique là au niveau du bras, tu m'as mis quoi comme piqûre? Docteur Kefta, vous avez tenté quelque chose de très très grave là, il me semble. Heureusement que j'ai les manches bien solides. Ah ouais? Si je puis dire. Ouais. Il a tenté de m'injecter, je sais pas, un produit. Roya, là, j'ai la tête qui tourne. C'était de la mort. Là, Roya, je te.
faire comme si j'avais rien vu. On a trop tapé son meilleur sommeil. Il y a rien qui va. Wesh. Attends, tu veux que je t'endorme aussi? Ouais, c'est passé quoi là? Je sais pas quoi là. Ouais, j'ai un trou noir. Oh là, j'ai un trou noir. Ouais, 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 mais j'ai un trou noir là. Je sais pas, j'ai un coup de fatigue. Je crois que c'est un coup de fatigue. Ouais, ouais, bah là, ouais. Y'a pas qu'un coup de fatigue. Parce que là, c'est ce que j'ai vu, frère. T'as vu quoi? T'as vu quoi? T'as vu quoi? T'as vu quoi? T'es en ambulance sur un i quoi. Bon, quoi? Attends, non, c'est un petit coup de fatigue. Comment ça? Comment ça? Roya, t'as rien vu? Venez, montez, vite. On est des Men in Black, Roya. Tu fais dodo profondément jusqu'à demain 18h. Bon, ta moto, Roya, la fourrière, je crois, elle est passée. Hein. Pas grave. C'est bon, on te dépose ici, Roya. Merci beaucoup, c'est gentil. Vas-y, force à toi, Jason. Merci beaucoup, bon courage. Je t'en prie, Roya, y'a pas de soucis, Roya. Fais attention à toi, Roya, fais attention. Ah bah oui, mais ouais, mais Jason, y'a un angle mort aussi, y'a un angle mort, Jason. Ben y'a un angle. Oh là là, bon viens. Oh là là, Jason, c'est grave ce que tu fais là. Bon allez, tiens, ça c'est pour moi, c'est cadeau. On va aller voir le BCSO, on va se présenter, messieurs, parce qu'ils nous connaissent pas, je pense. Ouais, c'est une bonne idée ça. Jason, force à toi, Roya. Bah, bon courage à vous. Bah, bon courage à toi, à nous, tout roule hein. Docteur Tobias, mettez-vous à l'arrière s'il vous plaît. Nous, ça va super, Roya, t'inquiète pas. J'aurais tenté de conduire, j'aurais essayé. Mais de toute façon, on a juste là, Roya, on va aller au BCSO. Oh non, Jason. Ça va? Oui, ça va. Oh, ça non. Je pense que c'est le stress. Wouah, ce qu'on s'est vécu, venez. C'est grave stylé. Venez, on va l'accueillir. On va se présenter. Alors, on se présente en tant que directeur de l'hôpital de Paléto. Okay. Ça, on n'est pas trop grillé. Non, comme ça, vas-y. Ça passe crème. C'est pas genre on abuse quoi, on a l'or. Ouais, non, on n'est pas... Bonsoir, monsieur. Ah, c'est bon, il est là. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, nickel. Très bien. Monsieur Scott Bash, c'est ça? Ouais. Comment allez-vous, monsieur Scott Bash? Bah ça va et vous, monsieur les médecins? Ça va. Directeur, nous sommes des directeurs de l'hôpital de Paléto. Oui. Et on aimerait se présenter à vous, voilà, pour nous... Exactement. Pour se présenter, tout simplement, voilà. Pour essayer de faire connaissance, parce qu'on a compris que vous avez changé d'équipe récemment. On aimerait voir un petit peu les nouvelles têtes et comment est-ce qu'on peut s'arranger, quoi, tout simplement, quoi, voilà. Juste, comme que dirait, une visite de courtoisie, bien évidemment. Voilà. Ok, ça marche, bah, bougez pas, je vais quelque chose le... de sain. Mais on bouge absolument pas. Je vais vous chercher le shérif. On reste ici, y'a pas de soucis. Monsieur, est-ce que vous croyez à l'hypnose, monsieur? Vous dites quoi, monsieur? Est-ce que vous y croyez, vous, à l'hypnose? Vos paupières sont lourdes. Très lourd. Et ça marche en fait l'hypnose. Ah voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez couché, je comprends plus. Non, le surmenage, il nous parlait un petit peu de son dur, de son quotidien un petit peu difficile. Et j'ai tenté une expérience d'hypnose pour essayer de le faire parler. Et malheureusement, sur certains patients, ça disjoncte. Et puis, ça tombe à terre. Vous savez, c'est comme un ordinateur, il se met en veille. Simplement. Ah oui, moi ça m'étonne pas, c'est Boyle, vous savez. Ah bah oui. Ah, il est connu pour ça. Je sais pas ce qu'ils vont donner. C'est pas facile. Ah non, c'est juste un petit claquement de moi. Tout se passe dans les yeux. C'est très subtil. C'est fugace. Vous regardez dans les yeux, c'est fini en fait. Écoutez, messieurs, on se présente. Nous sommes les directeurs et sous-directeurs du nouvel hôpital de Paléto. On a vu que vous avez changé d'équipe récemment et on aimerait faire connaissance avec vous, nous faire visiter un petit peu nos locaux. Et puis de même, nous vous ferons visiter un petit peu nos locaux. Un échange de courtoisie avec beaucoup de bienveillance. Évidemment. Mais écoutez, je me présente, Shérif Carter. Enchanté. C'est moi qui dirige le bureau du shérif du comté de Blaine. D'accord. Et voici mes hommes. Donc vous avez là mon sergent 04 Chester Jones. Enchanté. Voilà, on préfère que vous nous appeliez par nos prénoms, non prénoms, parce que matricule ça fait un peu robot. On m'appelle. Donc Chester. Je sais pas comme les SPD, ils s'appellent par leur. Les SPD, frérot, ils s'appellent par un code Wi-Fi, ça va. Oh, c'est les pires. Alors ensuite, vous avez au téléphone là-bas l'adjoint du shérif. Oui, excusez-moi. Alors lâche-moi, j'arrive. Enchanté, adjoint du shérif. Ici avec le chapeau, vous avez. Chuck Norris, Boyle. Chuck Boyle, enchanté, Chuck Boyle. Enchanté. Celui-là, vous pouvez pas le louper, c'est le seul qui garde ses manchons et sa cravate. Enchanté, celui-là. 50 degrés dehors.
Ah oui, il est frileux. Merci, merci. Enchanté, celui-là. Ouais, j'ai un petit peu enchanté. Trop, ouais, on peut dire ça comme ça. Et non, voici Scott Bush, adjoint du shérif également. Salut Scott, enchanté. Scott, enchanté mon gars, on est ensemble. Enchanté Scott. On est ensemble, on est ensemble. Ça fait grave plaisir. Ok, on bah super, super, parfait, parfait. J'ai vu que vous avez de beaux véhicules en tout cas. Ça, ça fait plaisir, hein. Ça ouais, contre les petits loubards là qui s'amusent à braquer des flics, ah, des bijouteries, des. Alors ça, je dis non. Ah, oui, ça, je dis non. Ça, c'est horrible, c'est horrible. Ça, je déteste les gens qui font ça. C'est. Oh là là. Vous savez que nous travaillons dans le sud et tous les jours c'était des voilà, c'est des braquages, des coups de feu, des brûlures, de la torture. Oh, ça va deux minutes. Zut alors. À toute berzingue, quoi, ça y va. C'est ça, à toute boule dingue. J'en ai marre. Oui. Vous voulez peut-être qu'on fasse visiter nos locaux? Oui, bien sûr, avec oui, le courant des plaisirs. Bien sûr, bien évidemment, en outre néanmoins. En outre-mer. Ah oui, c'est quelque chose de plutôt chaleureux. Ah oui. Ah bah pardon, docteur. Oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Alors là, vous avez les vestiaires avec les toilettes juste ici. D'accord, c'est en acier inoxydable, j'imagine. Déconseillé de rentrer à l'intérieur, honnêtement. Ça sent le vraiment de sa mère, ça. Ça sent l'homme. Ça sent le faco cher, hein. Mais après, c'est normal. Je veux dire, après une dure journée de travail. Je pense que c'est Paul qui est passé juste avant. Oui, enfin, ça montre que vous travaillez bien, indirectement. Ah bah, oui. Donc ça amène derrière l'accueil où on vient de voir. D'accord. Poste pour travailler. Voilà, parfait. Faire des petites rentrées de données. Tableau. D'accord. Donc c'est ici que vous mettez les personnes que vous arrêtez. Bah oui. Qu'ils interrogent. Ah, le clou du spectacle. Là, ça devient intéressant. Alors, on a la vie de Santin. Avec la salle interrogatoire de l'autre côté. Ça, c'est bien ça. Eh les gars, la vie de Patin. Oh, tu vois pas derrière. Oh. On voit vraiment pas derrière. Attends, vas-y, fais un test. Ah ouais. Attends, on va faire un test. Je vous vois pas. Waouh. Incroyable. Vous me voyez? Ouais, des appareils photo, des caméras, j'adore. Je reconnais l'endroit, je reconnais. Regarde, ça c'est un Sony, ça c'est un Sony FS7. Ça c'est une caméra Royal, ça c'est une caméra professionnelle Royal de type Panasonic, ça, évidemment. C'est de la menthe ou bien c'est quoi comme une nana ça, ouais. C'est du cannabis. Là vous avez des fraises Tagada et puis des bonbons pour la gorge au goût lavande en bas là. Ça, je reconnais ça. Ça je reconnais très bien de ça. De la farine pour les gâteaux, tout voilà. Ça. Ok. Exactement. Ok, parfait. En tout cas c'est très propre, hein, c'est bien aménagé, c'est sûr, c'est sûrement une femme qui a pensé à ça. Ah. Ah bah oui. Vous avez l'œil. Ah bah. Et pas que. Donc c'est. Waouh. De l'espace. On adore. Ah ouais. Et tout le monde dans la même cellule ici. Tout le monde dans la même cellule. Ah bah Roya. Le Nord, Roya, c'est la convivialité, c'est la famille, Roya. Ah ouais. Ah bah oui. Il y a même un truc pour pointer les toilettes, regardez. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est des toilettes quoi. En fait, il vient du Congo, ouais. Il connaît pas ce que c'est les toilettes. Oh, d'accord. Ouais, il a du mal. J'ai dit un truc pour nettoyer les toilettes. C'est. Vous faisiez vos besoins à vous, monsieur, du coup. Pardon ? C'est besoin dehors ? Lui, dans un trou, lui, il faisait ça dans un trou. Ouais, dans un trou. Et quand il voulait vraiment faire chier le village, il chiait dans le puits. Oh putain, dégueulasse. Ah bah, du coup, ouais, il y avait c'était pas ouf quoi. Mais ça rajoute des protéines, du goût. Des testostérone. Des compléments complémentaires et tout. Des compléments supplémentaires. Waouh! Salle de réunion. Ouais, de la moquette! Regarde, touche! C'est de la moquette, Roya, c'est de la moquette! C'est de la moquette! Regardez, il y a la voiture! Venez! Il y a la voiture! Où ça? Ouais! Une autre ambulance! Salut! C'est notre ambulance! C'est notre ambulance, monsieur! C'est notre ambulance! J'ai vu, ouais, je vois. Les bureaux de mes sergents. D'accord. Et juste ici, c'est mon bureau. Oh, classe le bureau! Ah, je vais se rentrer. C'est plutôt pas mal, hein, vous? Ah, c'est très très joli, hein. C'est très très beau. C'est convivial, hein. C'est sobre, c'est fugace, c'est mesquin, c'est super beau. Un petit microphone, là, c'est pour. Quand je fais des petites visioconférences avec le commandant du SPD, vous voyez? Ah, c'est un blog Gucci, un truc comme ça. Ouais, c'est un type micro-radio broadcast, ça, je reconnais, c'est de la qualité, ça. Ça, c'est du Neumann, ça, c'est du Neumann, mon pote, ah ouais. C'est du. 24-7 de Paletto, et on a une urgence. Ok. On attend là? Ouais, on y va, bah on est obligé, on arrive tout de suite au 24-7 de Paletto. Oh, ok. Écoutez, monsieur, on va écouter cette visite, on se rappelle le plus rapidement possible. Au revoir, monsieur, on a une urgence. Un petit coup de couteau au 24-7, c'est ça? Exactement. Ouais, pas grand chose, quoi. Il a dit un coup de couteau 24-7. Après, je sais pas s'il était petit ou grand, le couteau. Aïe, vous inquiétez pas, vous êtes tombé sur les meilleurs ambulanciers de Paletto. Je crois qu'il est mort, là. Attends, je vais couper la sirène. Bon, il s'est passé quoi, messieurs? Je vais couper le ventre.
Comment ça tu l'as coupé? Appelez la police, appelez la police. Elle est là, la police. Comment ça tu l'as coupé le ventre? Pour libérer l'aide par la Satan. Quoi? Oula. Messieurs, cet individu prétend avoir éventré cet individu pour écouter Satan. J'ai fait ça pour son bien. Ouais, écartez-vous s'il vous plaît, messieurs, écartez-vous. Monsieur, je vais vous demander de me suivre. Ouais, je vais les mettre la force. Monsieur, suivez-moi s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous inquiétez pas, monsieur, tout se passe bien. Je suis en train d'éponger la plaie déjà, au calme. Vous inquiétez pas, monsieur. Je vais vous passer mes notes. Ramène le kit de couture. Puis quand vous travaillez au LSG? Ah, depuis bien longtemps, regarde. C'est plaisir de voir des nouvelles têtes. La civière, les gars, la civière, code 2. Technique W, code 2. Je vais vous soulever délicatement, monsieur. Et je vais vous placer sur la civière. Vous avez quelque chose? Tout va bien, merci. Parfait. Tout va bien? Merci, ok, ça fait plaisir. Super. Bon, là, c'est une urgence, les gars. Là, il y a un coup de couteau, là. Là, il y a une plaie, là. Il y a une plaie au niveau du ventre, là. Donc compresser quoi? Les gars, on panique pas! Les gars, on panique pas! Il faut compresser la plaie! C'est pas grave, il a de l'argent, frère, On compresse la plaie, s'il vous plaît! La plaie! Un petit coup de couteau! Hoppa! Un petit coup de couteau! Hi-ha! Allez, monsieur! Allez, la civière! Kefta, la civière! Les réflexes! Allez, bim bam! Bim bam boum! Voilà, parfait! La technique là! Non, pas lui du coup! Voilà, monsieur, allez-y! Voilà, parfait! Allez, c'est parti! Putain, je t'ouvre la porte! Oh, bloc opératoire! Non, c'est pas là! Docteur Hannes, donnez-moi 10 mg de stéthomorphine, s'il vous plaît! Bien sûr, avec scalpel, s'il vous plaît! Scalpel, attention, je vais poussez-vous, je vais lui injecter, je vais l'injecter l'anesthésie générale. Poussez-vous. Comptez jusqu'à 10 s'il vous plaît, monsieur, comptez jusqu'à 10. 1 2 3 Là c'est bon, il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Du coup, les gars, on lui enlève les vêtements. Vas-y, on lui déchire les vêtements. Alors, les pantalons, regarde, ça dégage. Et les chaussures, regarde, ça dégage. Tout qui dégage. Scalpel, s'il vous plaît, scalpel. Tenez, scalpel. Merci. Alors, regarde. Ah ouais, là c'est chaud, là. Ah ouais, regarde. Là c'est, Alors, ah, le patient. Bah c'est parfait. Non, c'est parfait, c'est comme ça que je le voulais. Voilà, attendez, bougez pas, monsieur. Voilà. Ramenez-moi des fils. Des fils, bah pour recoudre, des recoudre. Des fils. Ouais, des fils de laine, des fils, tout. Ça suffira, c'est parfait. Ouais, ok, parfait, je recouds. Oh la vache, eh, bon ça va, il a touché la graisse. Heureusement, il a pas touché d'artère ou de veine, un truc comme ça, donc ça fait plaisir. Ça c'est cool. Vu que c'est un couteau de sataniste, c'est superficiel, c'est pas grand chose. Ça va. C'est pas fou quoi. Là c'est bon, là on va juste attendre qu'il se réveille et puis c'est tout. Mais là on est bien. Combien on les facture les gars? Là c'est une grosse opération. Là pour c'est un gros truc quand même. Là on est à 4002. Non, Roya, écoute. 2000 en facture, 1000 en liquide. Soit 2000 en facture, soit il nous paye 1000 en liquide. Et ensuite on fait les 1000 divisé par 3. Là ça flingue, là c'est le coup du siècle. Non, on va lui faire payer 80$, regarde, mais on va essayer de choper un numéro de téléphone de meuf. Si jamais il a pas de numéro de téléphone de meuf, là il va payer 8000$. Ok, vas-y. Monsieur, je chute dans votre oreille. Vous allez pouvoir vous réveiller d'ici quelques secondes, Roya. Dans 3... T'es réveillé. Réveille-toi. Ça va, monsieur? Ça va, tout se passe bien? Comment se passe le réveil? Si vous avez la tête qui tourne, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ça tire au niveau du bas-ventre, c'est normal. C'est quelques points de futur. Voilà, parce que nous, on est des visionnaires. Donc vous inquiétez pas. Il a pas touché des muscles, juste la graisse. Un petit peu de graisse. La chahma, ça fait plaisir. Je pense qu'il vous a confondu avec un shawarma, à mon avis.
C'est ça. C'est la shahmat perdue, c'est la graisse de perdue. C'est pas un sataniste, c'est un shawarmiste à mon avis. Ça va, monsieur ? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que vous avez suffisamment de présence d'esprit pour me présenter votre carte d'identité, s'il vous plaît ? Et 80$, s'il vous plaît. Et le numéro d'une meuf. Hop là. Alors, Zelphone ! Calmez-vous ! Mais c'est l'élu du jour ! Les Elfones, je vais vous poser une première question qui pourra être très déterminante pour la suite de ma question. Est-ce que vous avez le numéro d'une meuf dans votre téléphone ? Ouais, potentiellement, ouais. Potentiellement. Quel est son prénom ? C'est pour prendre de vos nouvelles à travers, voilà, oui. À travers vos proches. En fait, on aime bien... C'est quoi votre type ? Non, type célibataire, type bien, quoi. Ah. Voilà. Ah oui. J'en ai pas. Ah sinon, ouais. Couple. Hein, alors, du coup, on passe. Avait dit la facture. Elle passe de 80 à 850$, c'est ça, non 8600, ouais, c'est ça. 8600, ouais. 8600, ouais, c'est ça. Bon. 8600, du coup. Oui, TikTok. Comment Hein Oui. Ah, vous avez trouvé. Ah, bah super. Ok, super, super. Nickel. Je pensais que vous aviez pas trouvé. Je retenais ça, ouais. Du coup, Il y a 500$ à se faire sur la freeway là. Ok. On y va juste après. Attends, on prend le numéro. C'est prêt à noter. Allez-y. Oui, le prénom. Isora. Attends, Isora. Ok, super. J'ai pris l'appel. Vas-y. Isora. 44. Oh, super, la petite facture est de 75$. Alors, moi, c'est beaucoup plus cher, mais vous avez été très. T'as mis à moi Attends, je recule. bah, reculez-vous aussi, wesh. Vous prenez à chaque fois toutes les factures, vous êtes gentil, mais ça va 10 minutes quoi, merde. Écoutez, monsieur, prenez soin de vous, faites pas trop de bêtises, d'accord. Et évitez les satanistes quand même. Mais oui, il faut éviter les satanistes quand même, monsieur. Ça va, monsieur Boyle ? Chuck ? Comment vas-tu ? Oui, dites-moi. Oui. C'est bien la personne qui a été plantée. Oui, c'est bien elle, oui. Ok, ben on aurait besoin de lui pour... Bien sûr, on a fini de le soigner. Bon, il a... C'est bon. Il a été touché au niveau du bas-ventre, mais au niveau de la graisse, hein, donc il n'y a aucune veine ou artère qui a été touchée. Donc oui, un petit peu de repos, une semaine de repos, voilà, sans trop forcer, puis voilà. Une petite séance de chimio, okay, bon, ouais. Donc, tout ce qui est parti de jambes en l'air, on va se calmer, hein, d'accord. Voilà, laissez votre femme faire le boulot, quoi. T'as donné le numéro de ta femme, Nico? Non. Non, d'une amie pour prendre des nouvelles bonnes. Oui, c'est bon. Monsieur Zelfon, je vous invite à suivre nos collègues du BCSO avec gars, le plus grand plaisir. Urgence, allez, c'est urgence. Bien sûr, votre obligeance, évidemment, monsieur Captain. Bien évidemment, en outre néanmoins. Et qu'est-ce qu'il a, un kilomètre, il a fait quoi? Apparemment, percutation de véhicule. Oh ouais. Ah ouais, mais là, c'est. C'est un gros percutement ou c'est un petit? Ah, c'est un gros percutement, royal. Bonsoir, messieurs. La bonne nouvelle, vous êtes tombé sur les meilleurs ambulanciers de Paléto. Hein. Et ça, ça fait... Ah oui, clairement. Les gars, code civière, code 1, 2, 3, technique W, s'il vous plaît. C'est technique, hein, tout le monde ne peut pas comprendre. Alors, messieurs, en trois mots, qu'est-ce qui s'est passé? Les ambulanciers à Paléto, c'est grand. Il y a un connard qui a voulu lui foncer. Non, en trois mots, en trois mots. Ok, connard, voiture, boum. Voilà, parfait, c'est clair. Mais ça va, au moins il avait un casque. Au moins votre collègue avait un casque. Il y aura quelques abrasions sur l'avant-bras, quoi, faudra désinfecter les plaies. Mais je veux dire, en soi, là ça se voit, il n'y a pas de traumatisme crânien, enfin... Bon, il y a un peu de sauce ketchup, je vous le cache pas, mais bon, ça c'est parce que monsieur est gourmand quand il mange des frites, n'est-ce pas? Vous voulez monsieur? Alors, vous croyez en l'hypnose? Putain, je suis où, merde? Oh, vous inquiétez pas, vous êtes sur le macadam. Dans l'hypnose, comment ça prend l'hypnose? Ah ouais... Vous inquiétez pas, vous êtes entre de très très bonnes mains. Alors je suis entre un macadam, là, je suis entre les mains d'un macadam. Oh non, je sais pas ça. Vous êtes sur le macadam, voilà. Ah, okay. Sur le bitume, quoi. Putain. Ah, le bitume, comment Voilà, parfait. Vous allez vous installer délicatement sur la civière qui se trouve juste. Non, pas vous. Ouais, ah, là, oui. Là, je suis... Ah, monsieur gourmand. Ah, monsieur gourmand. Ah, monsieur gourmand. Ah, monsieur joueur. Voilà, monsieur parfait. Messieurs, on vous laisse. On vous redonnera votre collègue très bientôt. Ce sera pas très loin, vous inquiétez pas. Vous l'amenez à quel hôpital? Paléto. Kefia, il s'est clairement pris pour un biker. Prénom, monsieur. Ah, Phil. Ah prénom Phil. F-H-I-L. Phil, Phil, ok. Phil comment? Phil Anderson. Filler ou... Phil Anderson, d'accord. Ok. Super, vous faites quoi dans la vie, monsieur? Ah, putain, super, j'adore. Ben moi aussi. Ok, ouais. Ok. Et vous avez quel âge? Monsieur, vous êtes fan de bière. Moi j'ai 37 ans. 37 ans? Oh, vous êtes encore jeune. Arrêtez de parler comme un vieux, là. Comment ça, je parle comme un vieux, là? Ouais, j'avoue. Oui. Respectez-moi, quoi. Monsieur, vous êtes blessé, attention à ce que vous dites, hein. Ça peut très vite se retourner contre vous. Hein. Ça peut très vite, hein. Je suis surtout... je suis expert en hypnose, attention. Bam. Voilà, vous êtes... Oh.
Ah bah oui, ah bah je vous ai dit que ça allait vite, monsieur. Bah monsieur la ceinture, voyons. Oh là là, monsieur la ceinture, voyons. Ah bah il faut le réflexe, monsieur. Voilà, ah, parfait. Elle était là, merde. Ah bah oui. Donc ah vous bah, travaillez entreprise de bière, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous aviez consommé, monsieur, entre nous, avant de monter sur votre bécane? Non, absolument pas. Je me rappelle même plus. Un petit peu. Mais t'as un petit peu quand même. Dites-nous la vérité. Ça reste entre nous. Une petite pinte, un petit bidon, un petit baril. Moi, c'est juste un petit. Ok, mais dites pas ça. Non, vous inquiétez pas. C'est un secret professionnel, monsieur. Vous avez bu combien à peu près? Ah, juste une bière, comme ça. Ah ouais, ok. Ah quoi, vous avez quand même bu une bière avant de monter sur la moto, quoi. Ah oui, quand même. Là, quand même. Les gars, technique, W, civière, code 1, 2, 3. Allez. Présence d'alcool dans le sang, je répète. Bill, t'as bu qu'une bière avant de monter sur la bécane. Allez. Monsieur. Après, il a dit un bidon de bière. Voilà. C'est même plus un bidon. Non, c'est un bidon maintenant, c'est un bidon. Voilà, parfait. Nickel. Voilà, parfait. Allez, urgence. Enfin, vitesse. Ouais, non, fais la technique de la toupie pour voir si ça tourne. Est-ce que monsieur, est-ce que votre tête tourne? Est-ce qu'elle tourne? Ça tourne. Ça tourne beaucoup. Ok, parfait, c'est bon. Ok. Le test est concluant. Ok, parfait. Nickel, monsieur. Voilà. Vous pouvez descendre délicatement de la civière, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Désolé, ça c'est la bière. Voilà, parfait. Je dépose la civière juste. Monsieur, comment est-ce que vous voyez de doigt? Un seul d'ailleurs, il est dans mon œil. Ah, parfait. Est-ce que vous entendez quand je fais ça? Vous entendez ou pas? Vous voyez combien de doigts là? Vous voyez combien de doigts là? Il y en avait deux. Est-ce que vous pouvez enlever votre casque s'il vous plaît, monsieur, pour qu'on puisse un petit peu scruter votre tête si tout se passe bien, quoi? Crâne, votre gros crâne. Voilà. Donc là, s'il vous plaît, vous allez souffler, bouger, d'accord? Terminé la coupe de Pépito. Attention. Interdit cette coupe. Ça sonne un peu creux là. Attendez, je fais le tour. Je fais le tour. C'est une coupe. Ça sonne un peu creux. C'est creux. Attention. Non, là c'est plein. Ok. Donc derrière c'est plein, devant c'est creux. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais. Monsieur, est-ce que vous croyez en hypnose? Regardez-moi s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je suis là. Voilà, parfait. Est-ce que vous croyez en hypnose? Pas vraiment. Je sais pas, moi j'en ai jamais fait. Vos paupières sont lourdes. Vous vous trouvez actuellement sur une moto. Il fait bon. Je sais pas ce qu'ils font. Le vent est doux. Très très doux. Vous roulez à une vitesse constante de 80 km/h quand tout à coup, un accident. Badaboum. Voilà, parfait, il a répondu. Parfait. Je pense que c'est bon. Le test d'hypnose a été concluant. Le cerveau était réceptif. Ça veut dire que le client est sain. Le cerveau est sain. Il a répondu de manière positive. C'est propre, c'est correct. Ah, mes phrases, non, c'est beau, franchement c'est beau. Allez vous réveiller d'ici une trentaine de secondes. Tout ceci sera qu'un mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Vous allez sortir tout doucement de votre songe. Ce rêve bleu que l'on appelle et les sages des ce rêve bleu. Voilà. Putain, je suis... Bougez pas, monsieur. Je vous auscultez tranquillement. Donc, c'était pas grand chose. Il y avait effectivement une petite abrasion au niveau de l'avant-bras. Une petite bosse à l'arrière de la tête. Mais vraiment pas grand chose. Voilà. Donc, si jamais vous éprouvez le besoin de revenir pour une auscultation un peu plus poussée, n'hésitez pas. Ça si va pour j'ai vous des maux de tête, ouais, j'y penserai. Ma jambe. J'ai un peu mal. Okay, vous avez mal à la jambe? Ah oui, mais ça, c'est votre botte de sécurité, Roya. Ouais, faut faire de la moto, ça. À mon avis, tu dois avoir des ampoules. Tu mets des chaussettes? Ouais, non, c'est bon, j'en ai. Bah ouais, mais pas de chaussettes, Roya. C'est que j'ai les mêmes, mais. Mais non, bah là là, Roya, mais ils vont pourrir tes pieds, Roya. Tu crois que tu vas faire du vin avec tes pieds ou quoi? On vous a fait quoi, la joue? C'est vous aussi, vous buvez beaucoup et vous vous endormez en premier au soir? Non, c'est pas par rapport au premier mouton de l'Aïd que j'ai égorgé avec une hachette il y a très très longtemps, j'avais 4 ans. Bah quand même. Alors, monsieur Phil Anderson, vous m'avez pas menti, super. Écoutez, je fais une petite facture hein, de $50, vraiment, c'est pas... Y'a pas de soucis, vous êtes le plus grand, courage, n'hésitez pas à repasser, hein. Vous demandez
l'équipe des paramédics, voilà, tout simplement. Avec plaisir, je sais plus ce qui s'est passé du tout, mais en tout cas, c'est super. Ah bon, vous inquiétez pas, non, c'est très très bien passé. Voilà, voilà, monsieur Phil, prenez soin de vous, faites attention avec vos amis. Merci, vous aussi. Et je vous en prie. Au revoir, messieurs. Vous voulez, au revoir, messieurs. On va souhaiter une bonne continuité dans votre vie. C'est bon, vous avez, on est sorti de ce côté, les gars. Vous avez. Bon courage pour votre service. Faites attention, prenez soin de vous et que Dieu vous protège. Mais merci, que Dieu vous protège aussi également. De la boire devant moi. Et sinon, j'ai du champagne. Sinon, j'ai de la consommation. Ou des céréales. Ou bon, c'est bon, j'ai compris. Tu vas tout boire devant moi. C'est bon, tu veux pas partager. C'est pas grave. Heureusement que tu m'as sauvé la vie. J'ai du vin, j'ai de la vodka, du whisky, de la tequila, du Sprite, du jus d'orange, du cocktail, des chips. Oh, Philharmonie! Putain de merde. Je me sens en pleine forme, c'est que. Oui, non, vous inquiétez pas. Je vais vous laisser. Vous inquiétez pas, messieurs. Bonne soirée. Encore merci. Bon courage à vous. Tobias, t'as déconné, regarde. Et t'as cru que t'avais un garage, regarde, dans ton ventre ou quoi? Combien de fois je t'ai dit ton ventre c'est pas un garage, regarde.